Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous continuons toujours avec la nouvelle chronique qui nous amène toujours du côté du Mali, où lors d'une attaque à la voiture piégée, deux assaillants ont été neutralisés par nos forces armées maliennes. En effet, deux véhicules bourrés d'explosifs ont attaqué tôt ce matin le camp de Kati des forces armées maliennes, ont annoncé avoir neutralisé deux assaillants à la suite de l'attaque à la voiture piégée perpétrée vendredi contre le camp militaire Sundiata Keita de Kati, troisième région militaire, à une dizaine de kilomètres de la capitale malienne Bamako. Les forces armées maliennes, connues sous l'acronyme FAMA, ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. C'était tôt ce matin, aux environs de 5 heures, avec deux véhicules piégés bourrés d'explosifs, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, sur sa page Facebook. La DIRPA a déclaré que, je cite, « le bilan provisoire est de deux assaillants neutralisés, soulignant que la situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et leurs complices ». Fin de citation. En outre, le chef d'état-major général des armées rassure les populations en les demandant de vaquer à leurs occupations habituelles. Pour rappel, une attaque à la voiture piégée et des tirs d'obus ont visé tôt ce vendredi le camp Sundiata Keita de Kati, troisième région militaire située à une dizaine de kilomètres de la capitale malienne Bamako. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire, alimentaire, de revendications séparatistes et d'attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays. Source, agence Anadolu. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc de cette situation? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye!